Nous sommes dimanche 16 octobre, J-14 avant le Japon, et je vais au travail. Épisode 2, épisode avant le Japon, donc on va mettre ça dans le compte du Japon, hein, du vlog japonais. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'étais très content du retour du premier épisode du renouveau de la chaîne, quelque part. Ça m'a touché. On a dépassé les 100 j'aime, ça fait des années que j'ai pas eu ça. Et on arrive sur les 1000 vues, tranquillou. Yeah. Le vieux tonton, il n'est pas oublié comme ça. Moi, entre-temps, depuis la dernière vidéo où je venais de me faire mettre la troisième dose de vaccin, je suis désolé pour la qualité de l'image ce matin. Il est tôt, il est 7h du mat et la seule lumière que j'ai, c'est le plafonnier de la voiture. Donc ce petit vlog, de toute façon, c'est pas que dans la voiture ce matin, vous verrez un peu dans la journée. J'ai un peu la gueule dans le pâté et hier soir j'ai streamé. D'ailleurs, belle soirée, j'étais content. On a joué à ETS 2, enfin j'ai joué à ETS 2, Euro Truck Simulator. On était bien et il y a eu plein d'anciens qui ont débarqué comme ça, des personnes que je ne voyais pas depuis longtemps, les boules lumineuses, Senshi, et notamment le retour de Musicadélique. Voilà. Wouh. Mais c'est Maxime pour de vrai. Ma contribution pour un sukiyaki au Japon. Profite bien. Maxime, mon copain de toujours des jeux vidéo, que j'avais pas vu depuis des mois, et qui a débarqué hier soir sur un live. Ça nous a tous touchés, on était tous émus. Ça fait longtemps qu'on s'inquiétait pour lui, pourquoi il est plus là, pourquoi... Eh ben il était là hier soir, et c'est l'essentiel. En tout cas, là, c'est mon dernier week-end avant le... départ au Japon, pas d'aller week-end de travail dans mon planning. Le prochain week-end où je suis censé travailler, je serai au Japon, ça sera des congés payés. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer, quand tu n'auras pas trop de personnel au taf, 2-3 petits trucs de mon taf quoi. Je vais essayer de vous montrer un peu ma cuisine, un peu le cadre où je travaille. Aujourd'hui, il y a un gros ciel bleu, il y a moyen que je vous capte des images extraordinaires. Et voilà. Et demain, ce sera sûrement pour l'épisode 3 du vlog. Demain, c'est mon repos du lundi. Je vais aller me faire une randonnée test. On va tester un peu les réglages de la GoPro. On va tester l'accroche de la GoPro. Savoir où est-ce que je vais l'accrocher. Comment on va cadrer les rues de Tokyo. Est-ce qu'on va plus... Enfin, on verra. Ça va être sympa. Je vais faire des comparatifs GH5 GoPro. Je vais prendre tout mon matos, on va partir en rando et je pense que ça peut être sympathique comme tout. Je vous dis à tout à l'heure là, on va arriver tranquille, on va se faire un petit café et on va attaquer une bonne journée de travail et je vous ferai voir un peu mon lieu de travail et on ira se promener un peu dans mon lieu de travail si j'ai le temps. Je fais le malin mais autant j'aurai pas le temps mais on sait jamais. Nous voilà dans l'antre, dans l'envers du décor. Là je suis arrivé au taf, on est dimanche. Je me suis un peu caché pour me filmer. Normalement j'ai pas cette dégaine, normalement c'est pas cette tenue, j'ai plus de veste, donc quand j'ai plus de veste, je prends des vestes d'infirmier remplaçant, donc ça fait un petit peu docteur. Là je vais vous dire le menu d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons au menu une petite rillette de sardines entièrement maison, suivie d'un sauté de veau à la crème et au thym, des tagliatelles fraîches, des navets compotés, un petit bout de cantal AOP et en dessert, finition brownie maison avec des noisettes torréfiées et des noix. Maintenant, transforme-toi en chirurgien dentaire. Voilà, c'est un peu la dégaine qu'on a, mais c'est mieux pour l'hygiène, surtout en plus que je tousse beaucoup aujourd'hui. Et puis les cheveux, quoi, c'est important, hein, l'hygiène. Ces couleurs et lugubres, vous trouvez pas? C'est un peu le bazar. Ça fait un peu chelou de ce film de taf. J'ai jamais fait ça de ma vie.
Si, un petit peu une fois, mais c'est tout, quoi. On voyait un peu l'envers du décor. Fourneau. Il est 9h, 9h15. Première pause. J'ai l'impression que le jour se lève à peine. Tu sais, c'est 9h15. Je suis encore bien défoncé quand même, hein, pas se mentir. Ça me va pas les streams tard le soir et tu travailles le lendemain. En tout cas, je vais vous montrer une montagne magnifique. Une montagne que l'on nomme la Sûre en Chartreuse. Je vous laisse admirer. De là où je vous la filme, on la voit pas très bien parce que c'est un peu caché par les arbres. Dans la journée avec le soleil, j'essaierai de vous faire un plan plus bas. C'est vraiment une montagne qui est majestueuse. Elle est là, on a l'impression qu'elle nous protège, puis on s'habitue à elle, quoi. Un jour, faudrait que je monte là-haut. Il y a une belle balade à faire. La pause et écoutez ce calme. On va pas se mentir, j'ai un cadre de travail qui est juste extraordinaire. Et là, je vais vous emmener dans un petit coin qui est à, allez, 70 mètres de la cuisine, 100 mètres. Tu sors de la cuisine, tu marches un petit peu et tu peux aller pendant ton heure de repas te poser ici. Viens voir. C'est juste incroyable. Et là, je peux te dire que t'as la bitwine qui est complètement relaxée. T'as la bitwine dans l'axe. Face au soleil et face à ça. Juste incroyable. Je suis beau dans ce paysage. Oh ah. La journée est finie. Eh bien, je l'ai bien senti passer celle-là. On est dimanche toujours. Hein. Toujours le nez rouge, toujours la gorge en feu et la barre au front. Et ça va aller. J'ai encore 15 jours avant le Japon pour y aller en extrême force, extrême puissance, extrême comment on appelle ça, santé. Voilà. J'espère que découvrir mon lieu de travail vous aura fait plaisir sur ce petit vlog deuxième épisode. Prochain, je sais pas quand est-ce que ce sera. En tout cas, je sais moi personnellement que je le tourne demain, prochain. Ouais, c'est comme ça. Moi, je sais ce que je vais faire demain. Demain, petite randonnée, on va faire des petits tests avec le sac à dos en mode ruelle de Tokyo. Bon, ça sera dans la montagne et on va voir un peu les luttes, les couleurs, les comparaisons avec le GH5. Je pense que demain, je vais me faire une petite journée comme ça et en même temps, ça, je ferai un vlog avec. Je vais éclater. On va rentrer à la bonne chasse. Et sur ce, des bisous. Et je vous dis à très vite. GoPro, arrêt vidéo.